Les principaux acteurs européens du secteur des lanceurs spatiaux réagissent à l'offensive de l'américain SpaceX qui propose des lancements de satellites à un prix inférieur au marché. Après l'avoir présenté au président français François Hollande lundi matin, les dirigeants des groupes Airbus et Safran ont annoncé la formation d'une co-entreprise pour simplifier la chaîne industrielle des lanceurs et réduire les coûts de la fusée Ariane. Donc c'est un très bon jour, un très grand jour pour l'aérospatiale, pour l'avenir des lanceurs. Et finalement, nous, notre volonté, elle est double, c'est assurer un accès garanti et autonome à l'Europe, à l'espace, et rester leader mondial sur le marché comme nous le sommes. L'objectif de cette alliance entre les systèmes de lanceurs d'Airbus et la propulsion de Safran est double. Réduire les coûts de développement et d'exploitation pour mieux préparer l'évolution d'Ariane 5 vers le nouveau lanceur Ariane 6, attendu vers 2021.